Et nous sommes de retour pour du Ragnarok. Nous sommes à la maison de Sindri, on est revenu là. Car on a honnêtement tout fini. En tout cas de ce qu'on peut faire. Donc ouais, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents. Les deux épisodes précédents, ça a été vraiment le combat pur et dur de Muspelheim. Où on a récupéré énormément de ressources et tout ça. On est à 800K d'argent. On a toutes nos armures niveau 9. On en a plus. En plus d'armures, on en a plein d'armures niveau 9. On a celle-là. On voulait l'utiliser. On voulait l'utiliser parce que bah, déjà, elle est jolie. Et puis, avoir une défense complètement démesurée, complètement absurde, ça peut être marrant. Mais bon. On va perdre en rune et on va perdre en vitalité. Du coup, l'amulette va faire la gueule. Genre ça va plus fonctionner, ça va plus fonctionner, donc ça c'est relou. Mais voilà, on est extrêmement puissant pour notre niveau. On est bon. On est bon, on est prêt à faire face au Ragnarok. C'est le titre du jeu, vous avez compris. On y va! Après, je vais être honnête, je trouve que, genre, la Steinbrorn, ouais, bon, celle-là des géants de pierre, est beaucoup plus jolie, j'aime beaucoup. Et la Berserker aussi, je la trouve beaucoup plus jolie, je vais être honnête. Donc, voilà, on utilise celle-là parce qu'en fait, elle est super bien, ça nous, on prend pas de dégâts. Quand on fait des runes, enfin très peu. Et après, là, quand on tape, on ne prend pas trop de dégâts, on prend 20%. Enfin bref, on est extrêmement résistant et avec un régène et on a de la puissance. On fait, les runes reviennent très vite et tout ça. Notre build est très très viable. Donc très content. Dites-lui quelle est la meilleure. Oh, ils sont revenus. Les héros du jour. Vous devez tout me raconter. Quand vous serez prêt, bien sûr. C'est pas moi qui donne les ordres, pas vrai? Repose-toi et laisse les herbes faire effet, Yngvi. Oh, elles font effet. Elles font beaucoup d'effet. Et ça, c'est parce que tu règles toujours les problèmes. Tu le faisais déjà, quand on était enfant. Dès que je me créais des problèmes, tu trouves un moyen de les régler. Enfin des paroles sensées. Tu sais, on dirigeait Vanaheim ensemble. Quand on était jeune. À peine plus vieux que toi, je dirais. Enfin, elle dirigeait. Moi, je faisais en sorte que ça reste amusant. Hein, diriger... C'est pas vraiment mon point fort. Ah bon? Ta troupe à Vanaheim a pourtant l'air dévouée. Oh, j'imagine que je suis capable d'inspirer les gens, de les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. De là à appeler ça diriger, je me vois plutôt comme... Comme une muse? Hein? Une quoi? Une muse. Père m'a parlé d'elle. Dans son pays, elles inspiraient des artistes en tout genre. Vraiment? C'est un métier? J'adore! Mais pourquoi on n'a pas ça ici? Oh, je serais tellement doué pour ça. Mais je crois qu'elles étaient toutes déesses. Non! Impossible! Non, c'est pas juste! C'est pas juste! Non, j'ai un don pour ces choses-là. Oh! De quoi est-ce qu'on parlait? Yngvi, tu dois te reposer. Tu comprends? Il le faut. Je t'en prie, tu dois arrêter de parler. D'accord. Désolé. Mais... Vous allez nous dire ce qui s'est passé avec Heimdall. Hein? C'est pour ça que vous êtes là. Patience. Les mères de sûreté.
Je crois que ça fait deux fois que je le sors, ça. Bon, c'était beaucoup de parlotte. Ah, faut parler à quoi? À tir? Oh non, faut juste s'asseoir à la table. En fait, on sait pas ce qu'on doit faire, parce que là, on est en train de plus ou moins de faire ce qui avait marqué sur les peintures, là, la prophétie et tout ça. Donc, faut voir notre prochain move, en fait. On sait pas ce qu'on va faire, donc peut-être que Kratos a une idée. Et si je... Non. Assez! Oh, wow. Nom d'un dieu. T'as réussi. Comment, par les neuf royaumes, es-tu parvenu à tuer Emdal? Je savais que la lance ferait l'affaire. Allez, je vous souhaite un joyeux Ragnarok. Ça s'arrose. Est-ce vrai? Emdal est mort. Je n'arrive pas à le croire. Rien ne peut plus l'empêcher. Odin offrait la paix à condition que tu ne verses plus le sang des Ases. J'ai refusé cette offre. Mais il s'y tenait. Maintenant... Maintenant quoi? Tu sais aussi bien que moi qu'Odin ne tient jamais longtemps ses promesses. Nous avons l'avantage. Il a pris à boire. Le temps est venu de l'affronter. Non. Vous ne comprenez pas ce que cela implique. Odin n'aura de cesse de prendre sa revanche. Il n'y a pas que ça. Le masque. Le savoir auquel il donne accès. C'est ça qu'Odin désire plus que tout. Si je retourne à Asgard, je... Comment peux me servir. Tu veux y retourner? Écoute. Si j'arrive à finir ce que j'ai commencé, que je réveille le masque, trouve les réponses, on sera peut-être sortis d'affaire. Mais il faut que je fasse vite. Avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Atreus, te voilà revenu. Je ne te remettrai pas en danger. Il est en danger ici même, Kratos. Comme nous tous. Tout ce qu'on fait ou ne fait pas est déjà dangereux, père. Odin a besoin de moi. Il a confiance en moi. Je ne craindrai rien. Mimir, d'un point de vue stratégique, j'ai tort? Ça ne me plaît pas trop, mais c'est le mieux à faire. Diviser l'attention d'Oda nous fera gagner du temps. Et nous aurons des yeux dans le sanctuaire sacré de notre ennemi. Mais si cette source de savoir infini existe bel et bien, Odin ne doit pas y accéder. Non, car une fois qu'il aura obtenu ce qu'il veut... Je perdrai mon avantage. J'ai compris. Je serai vigilant. Père, je peux y arriver. N'oublie pas notre promesse. Toi non plus. Les deux. J'espère que tu sais ce que tu fais. Moi aussi, Sindri. Bon, tout ça ne me dit pas comment tu as fait. Comment nous avons fait? Ah, je sais. Voici toute l'histoire. Donc on est de retour à jouer le petit. Chercher Hugging à Midgar. On peut leur parler ou Est-ce pas? Est-ce que c'est de la folie? Non, non. Je peux le faire. Atreus, écoute. Je ne peux pas te laisser repartir sans ceci. Un marteau? Ta clé, je te prie. Si tu as besoin de te sortir d'un mauvais pas, jette ça de toutes tes forces et dis « Wergi ». Tu ne peux le faire qu'une fois. Wergi. Merci, Sindri. J'espère ne pas avoir à m'en servir. Moi aussi. Ok.
On a une échappe. Bon. Odin a dit que Hugin m'attendrait dans la maison. Mimir, y a-t-il autre chose que je doive savoir sur Odin? Est-ce qu'il a une faiblesse, peut-être? Si je soulève son bandeau, est-ce qu'il va se désintégrer? Allons, petit, ce serait trop... Non. Désolé, Mimir, je ne sais pas t'imiter. Je vais devoir me débrouiller seul. Ah là là. C'est parti. Je suis pas très fan de le jouer. Enfin, il est bien, honnêtement. Pour ce qu'on a à faire, il est bien. Il est très puissant. Je vais être honnête, donc ça va. C'est quoi ça, ça? Ah oui. Ouais, ouais. Il est très puissant pour ce qu'il fait. Mais j'avoue que... Ouais, bah oui, évidemment, je préfère Kratos, quoi. On a toutes les compétences. Alors, on en a fait du secondaire. Hein. On en a fait. Je vais voir notre... Ah, putain, j'ai pas regardé notre vie et tout ça. Oula! Fen? Yes, c'est Fenrir. Est-ce que c'est ton loup? Qu'est-ce qu'elle Arrête fait là? Arrête de faire ça. Oh, tu veux que je te laisse? On dirait que vous avez besoin d'intimité et je peux partir. Non, désolé. Voici Fenrir. Il est mignon. C'est bon, Fen. C'est une... Ils ont bien réussi à le faire gentil quand il est comme ça. Au sujet de ton couteau. Alors qu'il était au démoniaque. Je suis contente que t'aies trouvé où accueillir son âme. Avant. Moi aussi. Et comment m'as-tu retrouvé? Loki? C'est ma bille. Et où donc comptais-tu aller? Je retourne à Asgard. Hé, c'est moi qui me sers de lui, d'accord? Mm-hmm. Écoute, Angerboda. Quand j'en aurai terminé, je saurai ce qu'il faut faire. Comment sauver mon père? Comment empêcher le Ragnarok? Et peut-être, je l'espère, comment ramener notre peuple. Loki, je sais que tes intentions sont nobles. Mais il s'agit d'Odin. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Bien sûr que j'ai confiance en toi. J'espère seulement que l'histoire que tu t'écris est bien celle dont tu as envie. Pourrais-tu t'occuper de Fen en mon absence? Je prendrai soin de lui. Pas vrai, mon loup? Qu'est-ce qu'il est gros, quand même. Sois très prudent, Loki. Bien. Ah, c'est reparti avec les... Bah moi, il y aura pas... Pour aider Odin à reconstituer le masque, tout en faisant en sorte qu'il n'en obtienne aucune réponse. Quoi de plus facile? Il est sûrement dans son bureau. Il y a pas... Il y aura plus Heimdall, déjà, c'est déjà ça. Bon, il reste toujours Thor et tout ça. Qui a encore comme connard ah, c'est surtout... Bel équipement. C'est surtout sur quoi je peux tort, travailler. J'ai envie de dire. On n'en a pas énormément du bois d'Idalir. On va le garder au cas où si on trouve... si on trouve un autre... notre arc. Ouais, qui c'est qui reste?
Thor, il est pas extrêmement dangereux. Il nous aime pas, mais... Je pense pas que... Personne ne soit pas là pour se défendre ne veut pas dire qu'elle est coupable. Hey, qu'est-ce que c'est que désolé de vous interrompre. Oh, tu n'interromps rien du tout. Forcity mène une enquête. Donc la vérité éclatera tôt ou tard. On dirait une Barbie. Mais j'espère bien. Pars, c'est mieux. Elle est belle, hein. Oh. Ok. Bon, allons voir. Allez, la panique ne sert à rien. Ça va bien se passer. Emdahl est mort. Oh wow. Saurais-tu quelque chose à ce propos? Quoi que ce soit? Eh bien, à vrai dire, tout le monde le détestait. Oui, certes. Mais n'as-tu rien vu du tout, rien d'inhabituel? Enfin, peut-être. Il a bien frappé Trude pendant notre mission. Quelqu'un a pu l'apprendre et se venger, j'en sais rien. Wow, il va semer la zizanie. Assurerais-tu que mon fils y est pour quelque chose? Ouais, genre Thor. Je ne sais pas. Oh, malin. Il fallait que je sache. Il sème le chaos. Je n'ai jamais cru que tu étais impliqué là-dedans. Content de te revoir. Pas mal. Bon, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai mal traduit un mot, là. Oh, vraiment? J'avais traduit au-delà du cri du souffle froid. Mais c'est en fait le cri du premier souffle. Ça, c'est un autre endroit. Oui, mais je sais où c'est. Jeune homme, tu m'épates encore. Va, prends le masque, prends l'épée, prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. Niflheim? Pourquoi? Tu m'as manqué aussi. Premier souffle. Dis, Ingrid, tu ne saurais pas où se trouve Thor? Oui, je m'en doutais. Demande à sa fille. Ouais, pas là. À madame. Excusez-moi. Bonjour, Sif. Vous savez où je peux trouver Thor? Le père de tout nous a confié une autre mission. Et pourquoi je te dirais où trouver quelqu'un à qui je tiens? Écoutez, car je viens de te l'expliquer. Vous ne m'aimez pas et ce n'est pas grave. Mais vous devez savoir que vous lui faites du mal. Je te demande pardon. Trude deviendra une Valkyrie que vous le vouliez ou non. Vous le savez. Et si vous ne la soutenez pas, vous allez la perdre. Tu bénéficies peut-être de la protection du père de tout tant que tu travailles pour lui. Mais tiens-toi loin de ma famille. Profite de ta liberté tant que tu le peux. Bon, c'est quand qu'on vient à Asgard avec Kratos, hein, et qu'on les massacre. Je devrais passer par ma chambre. C'est peut-être la dernière fois que je peux toucher à mon équipement. Ouais, non, ça va. T'inquiète, l'équipement il est bon. Bon, il doit peut-être boire. Ah, il est où ton... Pardon, le père de tout m'a dit d'aller à Niflheim avec ton père. Je ne le vois nulle part et je me demandais si tu savais où je pouvais le trouver. Il n'était pas avec mon grand-père? Non. Je crois que je sais où il est. À la taverne? Suis-moi. Je voulais également te parler d'Emdahl. Non, pas ici. Tu as raison, plus tard. Ouais. Tout le monde parle de nous. Ah, d'accord.
Ah, du coup, on va pouvoir voyager. Helheim, j'ai dit que je ferais comprendre à ta mère ce que devenir une Valkyrie signifie pour toi. Je voulais juste te dire que j'étais sincère. Non, tu te fiches de moi. Et t'es encore en vie? J'ai cru qu'elle allait m'étrangler avec ses cheveux. Je suis surprise qu'elle ne l'ait pas fait. Merci, Loki. Va voyager, visiter, c'est ce que je voulais dire. Oh mon dieu, on va rencontrer Thor bourré. Oh là là. Les armes sont interdites à l'intérieur, on va devoir les déposer. Pourquoi? Fais-le, c'est tout. Poudre noire. Allez, par ici. Oh. Allez, sinon ils te laisseront pas entrer. Je sens. Vois l'œil. Il est ici. Je sens que ça va pas être charmant. Bon, ça va, ça devrait pas être difficile de trouver un. De trouver Thor. Trud, je suis. C'est bon. Ben voilà. Salut, Thor. On dirait que tu es occupé, alors. Prends ton temps, d'accord? Aucun problème. Rien de presse, vraiment, mais... J'étais sûre de te trouver ici. Qu'est-ce que tu fiches ici? T'as rien à faire, là. Et toi? T'aurais jamais dû venir avec elle. Les armes sont interdites, pourquoi il y a Mjolnir à côté? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je me détends. Est-ce que j'ai dit que rien ne pressait? Parce que, en fait, il faudrait qu'on y aille, hein? On ne doit pas faire attendre le père de tout. Silence! Il a raison. Tu devrais y aller. Il est beaucoup trop tard. Le monde saura que le dieu du tonnerre est bon à deux choses. Tuer des géants et se saouler à l'hydromel. Et tous ceux que ça dérange pourront voir Mjolnir de très près. Je rêve. J'adore le bruit du marteau. Super cool. Cool. Ce n'est pas toi. Thor. Huginn nous attend dehors. S'il te plaît, on y va. J'ai dit silence, morveux. Je m'appelle. Non, je... Oh, allez! Non, non, c'est pas du tout ce que je... Ça, c'est fait! Allez, c'est parti. Ça, c'est les bons vendredis soirs, ça. Ah, l'épée, elle amène l'arc et tout, ça tue. Oh, ça m'avait manqué. Ah bon. Je n'ai pas perdu la main. Ah, c'est bien Asgard, hein. Sérieux? Ne m'approchez pas. Je déteste cet endroit. Oh la pute. Trud, je vais chercher nos armes. J'ai des nouvelles attaques, j'ai tout débloqué, je sais même pas comment ça marche.
Oh la pute. Je vais me transformer en loup, allez, combat. L'épée, elle est en train de les tuer, par contre. Hein. Putain, le coup de poing. Il a plein de nouvelles attaques, Loki. J'ai pas... Enfin, Atreus. J'ai pas regardé ce qu'il pouvait faire. Donc, je fais des trucs nouveaux. Genre mon arc, il devient vert. Voilà. Oh, il y a Mjolnir qui vient de prendre un mec. Oh, c'est bien cette attaque. Trude, je vais chercher nos armes. Elle va dormir, mec. Oh mon dieu. Tu pourrais nous aider, non? Tu pourrais arrêter. Sérieusement? C'est quoi ce bordel? Oh, wow! Non mais attends, on tue des gens là quand même. Ah oui, ils ont les armes, ok. Ouais, non mais... Ça va être une horreur pour moi. En mode God of War, sans les flèches, sans rien et tout ça. Sans la... Bon, après, eux, ils ont eu pareil. Enfin, il y en a une qui a une arme, quand même. Hein. Quand elle me touche, c'est 80% de ma vie. Tu pourrais nous aider, non ? Tu vas arrêter ! Tu penses trop... Sérieusement ? J'adore. Oh mon dieu. Non mais sans déconner. Ah ouais, non mais c'est horrible pour moi, c'est une catastrophe. Non non mais c'est compliqué pour moi. Je sais pas, c'est comme si t'enlevais... Ouais non, c'est... Tu pourrais nous aider, non? Tu pourrais arrêter. Allez, c'est reparti. Sérieusement? J'adore ce passage où il se fait agripper comme ça. Bordel. Oh, la porte est juste là. Je veux que je passe par la porte, comment on fait?
Non, je peux pas passer. Non, non, je suis obligé de tuer au moins un mec, je crois. Ok, ok, ok. Regarde-moi, toi. Ah, Mjolnir. What the fuck? Oh putain, encore. C'est reparti. Comment tu peux encore tenir debout? Toujours taper en premier les gens à terre. Oula. Allez, tire! Que dira Odin si je tue des Enaria? Ils sont déjà morts! Merde, ça c'est tort. Oh mon dieu, t'as l'autre avec son marteau qui pète un câble. Ingrid, sauve-moi. Et il va me tuer ce con. Oh la vache, la tête. Maintenant, il te suffit de lâcher. Wow. Attrape ses bras, sortons-le d'ici. Joli combat. Désolée que t'aies eu à le voir comme ça. Non, non, c'est rien. Vraiment. Mais j'ai besoin de ton aide quand même. Ah, on a un peu de compassion pour Thor. Hé, hey, c'est pas si loin. Genre Odin l'a toujours utilisé, tout ça. Ouais, c'est difficile. Ouf. Lève-toi. Oh, Trudy. Tu dois aller à Niflheim avec Loki. Le père de tout l'ordonne. Debout maintenant, père. Je sais que tu es déçu. Moi, déçu? Non. Non, 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 c'était un très beau combat. Tu
tu ne vas même pas t'excuser cette fois, n'est-ce pas? Après tout, ce n'était qu'un mensonge de plus. Quand père ne s'est pas occupé de toi, tu en as bavé, je comprends. Mais ce n'est pas une raison. On est avec toi. Maman et moi, on te soutient. Même quand tu es dans cet état. Nous t'aimons, et tu le sais. Je pensais qu'on en avait fini avec tout ça. J'ai merdé. Ouais, tu as merdé. Oh mon dieu. Tu veux un peu d'eau ou autre chose? Non, ça ira. Ugin! Dépêchons-nous, d'accord? Tu as hâte de rentrer à Asgard? Amène-nous au morceau de masque. Eh ben... Bon, au final, je sais pas si c'était mieux... C'est pas mieux avec l'autre. Que tort, j'en sais rien. On en est au point où... On est où exactement, Niflheim? Le gouffre éternel. D'accord. Ah, on en est au point où on sait plus vraiment hein, qui... Waouh. On sait plus vraiment qui... Ah, non, il y a même pas de confiance en fait. Faut juste faire attention à tout le monde. Ça valait le coup ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Bien. Mais j'espère que tu sais ce que ça lui a fait de te voir comme ça. J'étais ivre, pas aveugle. Bon, c'est pas par ici. Ce n'est pas une chasse au trésor. Ce n'est pas une chasse au trésor. Cette partie de Niflheim n'a rien à voir avec le dédale que j'ai parcouru autrefois. Si tu y es venu par le temple de Tyr, alors oui. La brume autour de l'atelier d'Ivaldi est un vrai poison. Ah, c'est Niflheim qui avait le poison? J'avais parlé de ça dans certains épisodes où dans le 1 on était à un endroit où il y avait plein de poisons et tout ça. C'est peut-être ça, avec les labyrinthes. Oui, oui, ben c'est ça, c'est Niflheim en fait. Sauf que maintenant tout est gelé. On dirait elle. Celui-là est à toi. Pas la peine de te relever. Putain. C'est toi, toi. Non. C'était bien là, du coup, le poison. Vraiment cool. C'était une horreur hein, ce labyrinthe et poison. Il y avait des pièges, ça faisait extrêmement mal si vous prenez des pièges, avec des murs qui s'écrasent et tout ça, genre à la Indiana Jones. Tu pourrais pas juste les survoler pour aller chercher le masque? Je crois que j'ai envie de te porter jusque là. Tu es fort. Je ne suis pas ton cheval de bas. Merde, j'avais oublié ça.
What the fuck? Trout t'admire vraiment. J'espère que tu le sais. Ce n'est pas toi qui vas me dire comment élever ma fille. Remets-toi au travail. Ça doit être là. Oh bah. On dirait qu'il faut qu'on traverse ce mur. Je dois d'abord faire quelque chose. Quoi ? Prends ton temps. Eh ben. Non, on peut y aller. Eh ben, quel dieu. Enfin, c'est un tueur aussi, hein. C'est pas... Faut pas oublier ça, on peut avoir un peu de sympathie. Oh putain, c'est où là? Attends, on vient de là? Ouais, on vient de là. On peut avoir de la sympathie et tout ça, mais faut se rappeler qu'il a tué tous les géants et tout. Enfin, un grand nombre. Bon, bon. Y'a personne de... Oh. Il y a des trucs en dessous. Waouh, il y a une autre salle en dessous. C'est stylé. Loki, je sais que tu es celle. Je sais même plus ce que tu essaies de faire. Mais t'as pas la moindre idée de ce que j'ai traversé. C'est ça. Demi-géant, fils d'un puissant dieu aux attentes démesurées. Comment je pourrais savoir ce que ça fait? Comme Kratos dit, il n'y a pas de bon côté. Trop facile. Quelle force ! Enfin. De toute façon, on sait comment ça va se terminer avec Thor. Y a pas 36 solutions. Hein. Tu sais, je n'essaie pas de faire quoi que ce soit. Je soulignais simplement qu'on n'était pas si différents. Je n'ai aucune envie de me lier d'amitié avec toi. En fait, je voudrais juste ajouter une chose. Si tu ne peux pas être toi-même, tu as peut-être aussi le sentiment de ne pas pouvoir suivre ta propre voie. Tu es certain que ça ne t'évoque rien du tout ? Qui a le droit ? Là-bas, Thor ? Ça. Celui-ci, je te le laisse. Ok, étoile 2 pour activer la vision de l'aigle. What? Attends. J'ai des compétences, je sais même pas ce que c'est. Ok, appuyez sur L2 pour activer la vision de l'aigle. Qu'est-ce que c'est ça?
Pas appuyer sur un, juste à un toucher pour obtenir un verre. What? Ah, ok. Quand on fait une parade, on peut ralentir le temps. Ah, l'épée, elle était plantée dans le corps, je crois. Non, j'aime bien les coffres. Ça invoque un écureuil qui récupère des pierres. Invoque un écureuil espéré qui récupère une pierre de guérison. Je crois qu'il y avait ça aussi dans le 1. Bah c'est l'écureuil qu'on connaît. Hein. L'écureuil amer, ouais c'est celui. Augmente davantage le nombre de pierres de rayon récupérées, le nombre de pierres. Okay. Et vas-y, on va. Ça sert à rien, vraiment, honnêtement. Après, pour Kratos, maintenant, ça pourrait servir, en fait, avec notre build et tout ça. D'accord. Ça pourrait être. Nos vies se ressemblent. Mais quelle importance. Se plaindre de ce qu'on ne peut changer est complètement stupide. C'est vrai. Pourquoi on ne pourrait pas? Bah ça sert à rien. Trop facile. Quel pas. Oh, t'en as jamais assez. J'ai pas pu me protéger. Non, on va pas se... mais par contre, le gel, il est... J'allais dire, le gel, il est chaud ici. Lol. Mais non, le gel, il est super dangereux ici. On met du temps pour se protéger et tout ça, c'est une horreur. On est vraiment ralenti sur tous les mouvements, en fait. Trop facile. Viens pas. Le machin, il m'a récupéré tout ça. Ben putain. Bien joué. Oh mon dieu, quand il s'énerve pas. Après, je vais être honnête, je pense pas qu'on ait besoin de l'écureuil. Hein. C'est juste plus de fun qu'autre chose. Ouais, mais c'est en train de recharger, je peux pas le changer. C'est plus du fun qu'autre chose. On est loin de l'atelier d'Ivaldi, hein ? Assez loin. Ah oui, on avait vu l'atelier Ivaldi, je crois bien. Ils en parlaient tout à l'heure. Par le temple de Tyr. Bon sang, un ancien ! What the fuck ? Je me plains pas, j'annonce un problème, c'est différent. Je parie que tu es content que je sois là pour t'aider, cette fois. Ne me remercie pas. Admets-le, l'épée fait une partie de travail. Donne la chance qu'elle t'aide aussi.
Je veux pas t'en occuper du géant, bordel de merde. Ratatos ! Moi non plus, je voulais pas te voir. Oh la vache, je suis mort. Oh putain, merci. J'adore les Éléens. Il suffit de les pulvériser. Plus de problème. Pas de réflexion. Pas de sentiment. Bon bah peut-être que c'est utile. Mais honnêtement, je crois que d'avoir fait... Si on avait fait appel au loup... je pense qu'on s'en serait peut-être mieux tiré. C'est là-bas. Non, non. Par ici, droit devant. Je vais m'amuser. Je crois pas qu'on doive aller par là. Et j'ai dit que je m'amuserais. Qu'est-ce qu'il fait ? On va garder Ratatosk là pour le moment. On va essayer de jouer un peu plus en retrait. Ah, après, si Atreus nous. Si on fait équiper avec Atreus quoi, et Kratos, peut-être qu'on pourra utiliser lui. Utiliser le. L'écureuil. Ah. Bon, tu diras quoi quand tu les reverras ? Si fait route, je veux dire. Si le père de tout est satisfait, peu importe. Écoute, j'ai pas besoin que tu règles mes problèmes de famille à ma place. Contente-toi de trouver le masque pour qu'on puisse quitter cet endroit. C'est en dessous ? Là-haut ! On dirait qu'il y a un passage. Non, c'est là. Dégagez le passage. Apprécies-tu ta liberté? Être ici sans favir constamment sur ton dos. Je... Eh bien... Oui, je crois. Ça change de ce à quoi je suis habitué. En bien. Il faudrait rejoindre le sommet de cette falaise. Arrête de penser! C'est quand même mieux quand je m'y attends. Ah, la vache. Alors, on est proche ? Peut-être. Je vais regarder. Oh, il y a une tombe ici. C'est sûrement la dernière tombe. Sérieux. C'est la dernière tombe. Bon, bah on l'a trouvé.
Et ça nous donnera normalement la dernière partie de Berserker qui nous manque, l'armure. Ça, on en a 2 sur 3. Putain, mais... Thor qui branle rien, quoi, qui marche et qui branle. Il me rend fou. Ah ouais, merci. J'ai pas de vie, quoi. Quand Thor, ça s'appelle l'écurie. J'espère que tout se passera bien quand tu reverras Sif et Trude. Ouais. Mieux vaut espérer que penser. Mieux vaut espérer que penser. Ratatos! Arrête de prendre des coups! Pourquoi il y a du feu? Il a pris feu, le mec. Bon, ça commence à être long, là. Ah bah. C'est là. Allez. Je te tiens. Ouh, c'est pas passé loin. Merci. Je ne compte pas perdre ce... Loki, tu as réussi. Nous allons accomplir de grandes choses en mettant nos forces en commun. Il n'y a pas de quoi. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais ici? Son père a tué Heimdall. Forcez-y peut le prouver. Emmenez-le. Non. Laissez-le tranquille, c'est un ordre. Tu avais promis que le sang des As ne coulerait plus, que les tiens passeraient en premier. Ne crois-tu pas que le temps est venu qu'il paie pour ses crimes? Il a mis ta petite fille en danger. Il a détruit la vie de ton fils. Loki n'a pas tué Heimdall. C'est l'œuvre de son père. Ta fille est assez grande pour faire ses propres erreurs. Et ton époux s'est remis à boire sans que personne l'y force. Laisse-nous! Vous deux. Un mot. Alors, faut rester très loin d'elle parce que elle. Ne vois-tu pas ce qui se passe? Il ne nous protège pas. Magni, maudit, nos fils. Nous leur contions des histoires près du feu. Tu t'en rappelles? Nous leur sculptions des chevaux de bois. Nous jouions et nous rions jusqu'au coucher du soleil, quand ils s'endormaient sur nos genoux. Ils ont servi les desseins du père de tout et ont été brisés comme de vulgaires brindilles. Et pourquoi? Et si Trude était la prochaine? Tu as tué mes fils, dormi dans leur lit, retourné mon père contre moi, ma fille. J'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord? Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose à t'apprendre. Hey, ça suffit. Jotun. Vexindri, juste. Sindri, tu viens de me sauver la vie.
Atreus. On a le masque. On a gardé le masque. Odin va tellement pas être content. Il va tellement venir. Content de te voir sauf. Je me suis enfui à temps, mais je ne suis plus le bienvenu à Asgard. Mais qu'est-ce que vous faisiez là ? Sindri nous a indiqué où tu arriverais si tu avais des problèmes. Oh, je pensais que vous partiriez explorer sans moi. Non, petit. Ton père était trop inquiet. Toutefois, puisqu'on en parle... Mimir. Mon frère, je t'en prie, tout ce raffut et cette tension chez nous, ça ne te manque pas, nous trois partant à l'aventure ? À retarder l'inévitable. Exactement. C'est pas une si mauvaise idée. J'ai hâte de montrer le masque à tout le monde, mais ça peut attendre. Il a plus la Galahorn. Quand vous serez prêt. Bah honnêtement, on n'a rien à faire. À moins qu'on puisse aller à... comment ça s'appelle ? Niflheim. Pierre tombale. Ouais, mais je peux pas. Est-ce qu'on peut aller à Niflheim, gamin ? Niflheim, c'est où ? Là. Non, il n'y a pas de portail. Je fais comment, moi ? Il faut peut-être finir les corbeaux. Non, on n'a rien à faire. Hein. Strictement rien à faire. Alors, Asgard. On ne peut pas y aller. Vanaheim. On a tout fini. Sauf les noms découverts. Je fais un dernier check-up de tout ce qu'on a fait. Voilà, les noms découverts. Je sais pas si c'est des brèches. Ou alors ce sera pour plus tard. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Alfheim, on a tout fini pareil. Des noms découverts. Ça m'étonnerait que ce soit des brèches, parce que les brèches, on les voit directement, normalement. Enfin, on les rencontre. Niflheim, oui, il y a la pierre tombale. 38%. Achèvement, 38%. C'est quoi ça? Donc ça veut dire qu'on va y retourner sûrement. Muspelheim. Muspelheim aussi. Ah mais là ils te mettent tout. Coffre énorme, coffre légendaire, corbeau d'Odin. Pierre tombale, une sur deux. Ouais, là, ils te mettent toutes les régions, en fait. J'ai pas... Parce que moi, je bougeais comme ça. Bon, après, comme ça, c'est plus ordonné. Mais on peut faire ça aussi. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Avec l'arbre monde, on a tout le compte rendu. Ça tue. Ça, c'est vachement bien. C'est con, j'ai pas trouvé ça plus tôt. L'arbre d'infortune, ça c'est les corbeaux. Pierre tombale, donc 0 sur 1, pardon. Coffre légendaire, il en reste encore. Bah, il reste... Ah, 5 sur 7, on en a un seul qui reste à ouvrir, je crois. Donc ça veut dire qu'il y en a un autre. La Muspelheim, il y a encore des trucs. Ok. Non, mais on... Il faut avancer dans l'histoire, là. Putain, ça m'embête, cette armure, quand même. Je voudrais vraiment pouvoir mettre celle comme ça, mais on n'aura pas la vitalité, on n'aura pas les runes. Ça me fait chier. Pas le régène, rien. Bon, enfin, c'est pas grave. Parce que celle-là n'est pas super jolie comparée aux autres. Hey, je suis de retour. Hey, tu as réussi. Je vais chercher Tyr. Installe-toi à table si tu comptes rester. Alors, ça marche. Je vous avais dit que la clé le ramènerait chez nous. Tout ça grâce à un coup de marteau. La magie des nains n'a aucun sens. C'est vrai. Un jour, Lunda m'a fait un plastron à partir d'aboiement chien. Tu es rentré. J'ai toujours pas compris comment. Je vais bien. À partir d'aboiement chien. Cette chose en valait la peine. Tu l'as récupéré. Que t'a-t-il montré ?
Je ne l'ai pas encore utilisé. Ils ont compris pour Emdal, et j'ai dû fuir. Au moins, Odin ne peut pas l'utiliser non plus. Mais si le masque ne t'a offert aucune réponse, tu n'as fait que dérober le plus précieux des trésors d'Odin, juste après que ton père a tué son plus fidèle allié. Nous ne sommes pas en sécurité, même ici. Alors on n'a pas le choix. Ça, nous devons trouver Surt, sonner le Gjallarhorn et nous charger d'Odin. Et vite. Vous tueriez tous les Asgardiens et parleriez de légitime défense. Propose-t-il parfois des plans ou se contente-t-il de cracher sur ceux des autres ? Le plan évident se trouve sous vos yeux. Nous n'avons pas besoin d'Odin pour l'utiliser. Nous pouvons nous faufiler à Asgard et le faire nous-mêmes sous son nez. Nous saurons ce dont nous avons besoin pour enfin briser cette prophétie de malheur. Si je puis me permettre, nous n'avons aucun moyen de nous rendre à Asgard. Il possède le grand corps, non ? Oh, donc tu voudrais qu'il se faufile à Asgard en soufflant dans un corps qui résonne dans les 9 royaumes ? Je voudrais surtout te coller mon pied dans l'arrière-train. S'il vous plaît, pensez-y. Comment ça ? On va à Asgard et on ouvre toutes les portes en fait des royaumes ? Ce masque fait miroiter des réponses faciles. Mais une chose est sûre, la facilité a toujours un prix. Atreus, toi qui l'as porté, qu'en penses-tu ? Je le vois comme un atout. Au pire, il nous servira à appâter Odin. Au mieux, s'il possède les réponses, nous pourrons forger notre propre destin, sans verser de sang. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à entrer dans Asgard. Je vous ai freiné dans votre quête. Et vous vous êtes demandé pourquoi vous m'aviez libéré. Moi aussi. Mais j'ai compris. Tout est clair à présent. C'est à moi qu'incombe cette tâche. Une dernière fois, je vais saisir ma lance et je vais vous conduire à Asgard. Une petite minute. Si tu savais comment entrer à Asgard, la frayeur comment ça derrière. Se fait que tu craches le morceau seulement maintenant ? C'est une très bonne question, mon frère. Attends, tu nous as caché ça. Tu nous aurais tous fait tuer. Et il fallait laisser le temps à Loki de découvrir son destin. C'est chose faite. Tout mène à ce moment. Si nous réussissons à entrer, je me chargerai d'Odin. Je ne t'arrêterai pas. Nous pouvons faire les deux. Bien dit, mon frère. Si le masque ne nous mène nulle part, il nous restera Odin à nous mettre sous la dent. Ça me va. Alors allons-y, et faisons vite, avant qu'il nous voie venir. Il a horreur des surprises. Pas si vite, espèce de grande asperge. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce nouvel accès à Asgard que t'as déniché. Balance ! C'est un vieux passage, on ne peut pas l'atteindre d'ici. Et d'où alors ? Laissez-moi prendre mes affaires et je vous montrerai. Tu n'as pas d'affaires ! Et où tu vas avec ce masque ? Rock ! Ça appartient au petit ! Il l'a gagné ! Toi, tout ce que tu as fait, c'est de la soupe insipide ! Brock, c'est pas grave. Si, c'est grave ! Il y a un truc qui cloche. Dans toute son histoire, je suis d'accord. Il n'y a rien qui tient debout. Et d'abord, pourquoi il t'appelle Loki, par exemple ? C'est vrai ? Tu sais bien que c'est pas son nom. Hé ! Je te parle ! Jamais ! Brock ! Tout ça pour ça, Odin. Relâche le garçon et affronte-moi. Dis à ton frère de me donner le masque et c'est d'accord. Reste tué. Freya. S'il meurt... Non, non, ça ne faisait pas partie du plan. Mais s'il meurt, on sera quitte pour Emdal. Et franchement, ce n'est pas cher payé. Je te tuerai de mes mains, sois-en sûr. Oh, c'était un plaisir de te revoir. Freya, je t'en prie. Tu vas devoir faire un choix, Frigg. Hey, personne ne bouge, d'accord ? N'allez rien faire de stupide. J'ai fait des choses stupides. Te tuer n'en fera pas partie. Lâche mon fils ! C'est moi qui donne les ordres ! Lâche-moi le masque ! Allez ! Atreus !
Désolé, petit. Cette guerre aura bien lieu. Ou pas. Je t'en supplie, sauve-le. Il le faut. Ne pars pas. Ne pars pas. Peut-être encore en tournant au lac. Laisse tomber. Je sais ce que tu as fait. Et je te pardonne. Mais tu dois arrêter. Tu dois renoncer. Brooke. Je t'aime. What? Qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis tout ce temps, c'est... Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant. Maintenant, on tue Odin. Et tous ceux qui essaieront de nous arrêter. Atreus. Viens. Quoi? Où ça? C'est sans importance. Où est-ce que tu vas? C'est fini. Tu ne peux pas fuir, Kratos. Odin ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Nous avons besoin de toi. Voilà, il en a marre, Kratos. Père, où est-ce qu'on va? Chez nous. On a dans un sens, hein. On a assez cher payé. Les gens meurent tout autour de nous. Père, on rentre. Est-ce qu'on peut? Je veux aller chasser. Je te suis. Nous sommes à tes côtés, Atreus. Faut fermer son cœur à la douleur. Le cerf. Où doit-on aller, petit? Là. Où se trouve le cerf? Chasser le chagrin. Qu'est-ce qu'on fait, Atreus? Là? Pourquoi j'ai une pierre tombale pas loin? What? Souhaites-tu parler de ce qui s'est passé? J'ai cru entendre du bruit. Par ici. Oh, laisse-lui du temps. Ici. Des traces. Ils vont dans cette direction. Ah, c'est triste tout ça.
Atreus, la violence nous change. Ce n'est pas être faible que sentir ses effets. Nous sentons tous ses effets. On est sur la bonne piste. Il y a des branches brisées par ici. Venez. Cette scène, je la revois. La lame, Brock, le regard de Sindri. Fils. Le voilà. Coup de levée. La précision avant la vitesse. Ok. Comment on tire ? Si B en lumière plus cher. Mais pourquoi ? Maintenant, il s'est enfui. Comme nous l'avons fait. Je ne comprends pas. Lorsqu'un animal est blessé, il doit arrêter le saignement. Sinon, il meurt. Toi et moi avons été blessés. Et ceci n'est qu'une distraction. C'est ma faute. Non. Non. On devrait chercher Sindri. Je crois savoir où nous pourrons le trouver. Tiens, l'épée, elle est où ? Il a toujours le fourreau. On avait l'épée sur nous ou pas ? Quand on a fui Odin. Est-ce qu'on peut y aller en traîneau ? J'aimerais réfléchir à ce que je vais lui dire. Bien sûr. Je regarde s'il y a quelque chose. Mais... Je peux pas sprinter, rien. Je pense qu'il faut juste partir. Brock, c'était le plus malin de tous, hein, quand même. Hein. Il a directement compris qu'il y avait un truc qui clochait. Que j'aille. Je vois des rappels de mes erreurs. Nos actes ont des conséquences. En voir des rappels n'est pas une punition. Ça y ressemble. J'avais seulement... Percer une illusion qui nous a tous trompés. Empêcher une attaque que tu ne pouvais prévoir. Il n'y a pas de si, Atreus. Ton père dit vrai. Il est des choses que même les dieux ne contrôlent pas. C'est un peu bête d'avoir laissé Freya, quoi. Svana, Speki. Allez, on y va. Ah putain, faut ouvrir.
Nous prendrons le traîneau dès que tu seras prêt. Mais je suis prêt, il n'y a rien à faire de toute façon. On y va. Ah, elle m'embête cette armure. Le temple de Tyr, c'est là-bas qu'on va. Le temple de Tyr. Ah, ok. Ah, c'est un peu loin en traîneau quand même. Ymir, y a-t-il une chance qu'on puisse ramener Brock à la vie? Sindri l'a déjà fait. On pourrait trouver un moyen de recommencer. Ah, je crains que non, petit frère. Quand une âme dépourvue de Fulgia, de sens, comme celle de Brock, quitte son enveloppe charnelle, eh bien, elle n'atteint pas le lac des âmes. Non seulement Brock est mort, mais son âme n'est plus. Il n'y a rien à ramener. Il est vraiment mort? Atreus, s'il y avait quoi que ce soit qu'on puisse faire, je te l'assure, nous le ferions. Je sais. C'est stupide de ma part d'avoir voulu y croire. Bah, c'est pas stupide, hein. Vu comment ça se passe ici, on peut faire un peu plein de choses, quoi. J'aimerais que le lac soit encore plein d'eau. J'aimerais monter sur un bateau et m'éloigner d'ici. M'éloigner de tout. Tu ne peux pas t'éloigner de tes erreurs. Il est impossible de les oublier. J'ai essayé. C'est juste. Elles te suivront où que tu ailles, petit frère. Non, je peux pas y aller. Si tu dois partir, pars vers un objectif. Bloqué à des endroits. Ce n'est pas le moment d'explorer, mon frère. Oui, mais bon, la boussole. Enfin, faut que j'arrête de suivre la boussole en fait. Je sais où on va. Enfin, je crois. Faut qu'on monte d'abord, c'est ça? Par où on monte? L'élévateur au bout du pont doit encore marcher. Oui, voilà. On pourra monter au temple par là. On marche. On devrait pas s'arrêter. Ah, il te bloque sur tous tes mouvements. Allez, on y va. Putain, le jeu sans Brock, honnêtement, ça va être triste. Atreus, hein. Qu'est-ce qui te fait croire que Sindri sera là? C'est là qu'ils se sont réconciliés. Reforger une chose cassée. Il sera là. Sindri. Sindri, je... Je regrette tellement. Non. Je ne veux rien entendre. Tu ignores de quoi tu parles. Odin ne s'en tirera pas comme ça. Le même Odin que tu as invité dans ma maison? Il nous a tous trompés. Oh. Mais certains l'ont été plus que d'autres, n'est-ce pas? Je vous ai tout donné. Mon talent, mon amitié, ma maison, mes secrets, mes trésors. Et vous avez pris toujours plus. Que me reste-t-il à présent? Je n'ai même plus de famille. Tu parles de regrets?
Voilà ce que c'est, des regrets. Je... Qu'est-ce qu'on peut faire? On? Il n'y a pas de on. Il n'y a que vous. Peu importe le prix. Ce que vous pouvez faire... C'est me foutre enfin la paix! Viens, Atreus. Laisse-le. Fais ton deuil comme tu l'entends. Je croyais que nous étions aussi de sa famille. Nous l'étions. Eh ben... On ne peut pas arranger ça, pas vrai? Non. Mais moi, je me sentirai déjà mieux quand nous aurons obtenu justice. Justice ? Nous ne poursuivons pas la justice, mais la vengeance. Les chemins que j'emprunte mènent tous à la vengeance. C'est peut-être tout ce qu'il nous reste. Nous devons rejoindre Freya. Alors, par contre, je suis juste... Retirer. Quand on reviendra... Yes. On partira vraiment en guerre. Ce moment est venu. Oui. Quand on était à Svartalfheim, on cherchait Tyr. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas à ça que je pensais. Pas s'il fallait perdre Brock. Bien sûr, Atreus. Nous le savons. On a vraiment tout enlevé à Sindri. Ne prends pas à cœur les mots de la souffrance, Atreus, même s'ils semblent frapper juste. Par là. Ah, tu veux que je passe, je prenne une porte? Ok, ok. Désolé, je me perds un peu dans le... dans les directions. Attends. Non. Oh mon dieu. J'aurais dû passer tout simplement par où on est. Ah bon. Il y a une porte là, ça va. Allez, on va voir Freya. C'est comme si c'était que souffrance, c'est sûr que la vie. Freya sera toujours à la Pourquoi maison. En serait-il autrement? Le passage dérobé qu'empruntait Odin était aussi sa porte de sortie. Sans ces maudits corbeaux dans le placard, la maison devrait être sûre. Et elle a besoin d'alliés dans sa quête de vengeance. Oui, c'est notre vengeance à tous désormais. Et sans faux tir pour nous embrouiller l'esprit, ah, il se sera bien moqué de son désir de paix. Et du mien. Il est où le vrai Tyr du coup? Il est vraiment mort en fait. Du coup c'est pas des conneries, il l'a sûrement vraiment tué. Kratos. Es-tu des nôtres? Bien. L'heure est venue. L'heure de quoi exactement? L'heure d'unifier les royaumes contre Odin. Une fois pour toutes. Tyr a tenté d'unifier les royaumes. Le vrai Tyr. Tout le monde l'adorait. Et même lui a échoué. Alors nous devons réussir.
Car nous serons les derniers à essayer. Ceci est le Ragnarok. Et Odin est systématiquement au courant de chacun de nos plans. Oui, nous n'avons plus le bénéfice de la surprise. Pire encore, nous n'avons qu'un accès à Asgard. Et il n'est pas discret. Gjallarhorn. Ce qui veut dire qu'on entre par le temple de Tyr ici. Le mur d'Asgard est de ce côté. L'armée des Nériards d'Odin occupera la zone située entre les deux. Autrement dit, il nous faut des armées aussi. Toutes celles qui répondront à notre appel. Odin ne s'attendra pas à un tel nombre. Et ce n'est que pour atteindre le mur. Pour le briser, nous devrons trouver Surt. Ratatosk a pu nous fournir ceci. Nous irons tous les trois. Je sais où le chercher. Splendide. Des alliés, donc. Sur qui nous pouvons compter? Je me rendrai à Helheim pour tenter de recruter l'armée des morts. Et moi, j'irai à Alfheim pour unir les elfes. Ah oui, c'est ça. Unir les elfes, après des siècles et des siècles de guerre. Eh bien, je suis très populaire à Alfheim. Et toi, à Vanheim? Oui, pour voir Sigrun et réunir les Valkyries libres. Midgard n'a pas d'armée. Ni Jotunheim, ni Niflheim. Ça ne laisse que Svartalfheim. C'est moi qui irai. Sindri? Tu es sûr? J'irai à Svartalfheim. Qu'il en soit ainsi. Puisse la chance nous sourire. Alors là, on va devoir la créer, la chance. Hein. Direction Muspelheim pour trouver le dernier géant de feu. J'en viendrai presque à envier les missions impossibles des autres. Un besoin? J'ai ce qu'il faut. Non. Salut, je voulais juste que vous sachiez une chose. Si l'un de vous a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Enfin, ici, ou dans l'un des vieux ateliers de Brock et Sindri. Je sais qu'on passe tous une sale journée, mais j'aime me tenir occupée. Eh ouais. Bienvenue au club. On est parti. Muspelheim. On a une graine récupérée, très bien. Ouh. Donc ouais, ça c'était le creuset où il y a les... comment ça s'appelle? Les défis et tout ça. Bon, on doit trouver Surt. Tu dis savoir où chercher Surt? Oui. Surt. J'ai percé les secrets de sa fresque à Muspelheim avec Thor. Thor? Ne t'en fais pas, il ne m'a pas vu entrer. Je ne m'inquiétais pas de ça. Bon, quand on aura trouvé Surt, nous devrons le convaincre de s'associer à sa femme, Sinmara. S'associer? Oui. Quand ils seront tous deux... unis, ils créeront un gigantesque monstre qui détruira Asgard. Oh non... Ah! Dans les films... Enfin, je connais pas vraiment exactement comment ça, c'est censé se dérouler, le Ragnarok. Dans les films de Thor... Genre, c'est quoi le deuxième film, je crois? C'est pas le géant de feu, là, énorme? Toutes mes excuses. J'ai certaines réserves sur les négociations avec Hrasvelger à Helheim. M'est avis qu'elle se montrerait peut-être plus disposée à écouter un interlocuteur... décédé. Mimir, j'ai besoin de toi. Être mort est un talent, maintenant? Je suppose que ces deux-là sauront se débrouiller sans moi. Mon frère, si tu le permets. Très bien. Merci infiniment. Nous vous retrouverons plus tard. Hé, hey, je crois que j'aperçois la forge de Surt, au loin. L'invocation. Putain, on en a du matos sur nous, encore une fois. Hein. Même le gosse, là, il a... Maintenant, il a le masque et tout. L'épouse de Surt. Où est-elle? À Niflheim.
Si on avance en direction de sa tour, on devrait pouvoir voir la forge. Marche. Honnêtement, on a besoin de rien. On n'a plus besoin de rien, on est très haut niveau et tout ça. Bon, on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment là. Et on a eu beaucoup d'émotions. Donc on va s'arrêter là. Ouais, on va continuer ça après. La prochaine fois, on a débloqué. Attends. Voilà. Très très bien. Donc ouais, on va continuer ça dans notre prochain épisode. Je suis toujours en train de me dire, est-ce qu'on peut changer? J'ai envie de remettre la Berserker parce qu'elle est plus jolie en fait. Mais ça va nous foutre dans la merde d'utiliser la Berserker au lieu de l'autre. Si on combat des trucs un peu haut niveau, c'est un peu la merde. Mais sinon, ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. On va continuer ça la prochaine fois. On va donc... bah voilà. J'ai rien d'autre à dire, honnêtement. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.